Michel, toutes nos excuses pour ce retard dans le démarrage de l'émission. On va y aller rapidement. Zimbabwe, Nigeria, RDC et Togo. Autour de moi sur le plateau, Marc Aboflan, directeur de publication de Élite d'Afrique. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Miwa TV. Adam Adjonou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Le Zimbabwe, le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, chef de l'État sud-africain, bien sûr, a déclaré mardi que la levée des sanctions qui pèsent sur le Zimbabwe serait le meilleur moyen pour la communauté internationale de calmer la crise économique et sociale qui sévit dans ce pays d'Afrique australe. Il n'est plus nécessaire de maintenir des sanctions contre le Zimbabwe désormais, car ils se sont engagés sur la voie de la démocratie et d'une véritable reprise. Et nous les aiderons le mieux en levant ces sanctions, a estimé le dirigeant sud-africain Marc Aboflan. Cyril Ramaphosa joue les avocats du Zimbabwe. Est-ce que vous pensez que le Zimbabwe de Emmerson Mnangagwa présente aujourd'hui les garanties nécessaires pour la levée des sanctions internationales? Oui, à mon avis, même si on ne peut pas, il n'y a pas le risque zéro, le Zimbabwe de Mnangagwa maintenant mérite une chance. Parce que pendant longtemps, on a vu sous le règne de Mugabe toutes ces sanctions-là qui ont été prises, donc qui ont d'une certaine manière opprimé le peuple zimbabwéen. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, même s'il n'y a pas une grande différence entre le régime de Mugabe et celui de Mnangagwa, on sent une certaine évolution. Et la communauté internationale doit soutenir cette évolution au risque de voir Mnangagwa tomber dans les mêmes revers qu'un certain Mugabe. Parce que c'est ces sanctions justement qui ont conduit Mugabe à durcir le régime dictatorial qu'il conduisait. Adam Adjonou. C'est vrai, lorsqu'on sait que la répercussion des crises, surtout dans le pays, étant donné que c'est un pays frère aussi de l'Afrique du Sud, il va de soi que le président puisse se prononcer en fait pour la levée de cette sanction-là, pour permettre aux Zimbabwéens de souffler un tant soit peu, parce que, quoi qu'on dise aujourd'hui, lorsque le Zimbabwe se défait, quelque part aussi c'est au niveau de l'Afrique du Sud qui se refait. Donc ça vous a dit que gérer cette crise-là d'une manière collégiale en plaidant la cause du Zimbabwe ne serait que de bonne à loi pour permettre à ce pays-là de pouvoir retrouver un souffle pour quand même encore imprimer une marque assez positive à son développement. Parce que vous savez, surtout dans un pays où l'opposition est de plus en plus hostile, et même la population qui tend aujourd'hui à décrit un peu la gestion, qui n'est pas aussi due du fait que vous savez que le président était, disons, a hérité d'une situation qui était déjà plausible. Et donc je pense que c'est quand même de bonne aloi que on puisse plaider la cause de Zimbabwe pour lever cette sanction. Mais comme le disait Marc, il n'y a pas grand changement entre l'ère Mugabe et l'ère Mnangagwa aujourd'hui. Oui. On a encore vu lors des dernières manifestations, il y a eu de violentes répressions. Oui, parce que je pense que l'actuel président a hérité quand même de la gestion de Mugabe. Et vous savez, les mêmes causes produisant les mêmes effets, ou les mêmes effets produisant les mêmes coups, je pense que c'est la même gestion qui continue. Si au moins, c'est vrai qu'on ne peut pas dans son entièreté parler de la même gestion, mais étant donné que je pense qu'il y a longtemps qu'il a régné avec Mugabe, il sait de quoi est constituée la population du Zimbabwe et il sait comment diriger ce pays-là, mais réellement aujourd'hui rien n'a évolué en tant que tel. Ça vous avez dit qu'il y avait une crise qui était donc pendante et qu'il est venu irriter, qu'il n'a pas trouvé les bons mécanismes pour pouvoir lever cette crise-là. Donc c'est ce qui continue par c'est ce qu'il a continué par hériter, qui risque donc d'avoir. Marc, est-ce qu'il il n'appartient pas au président zimbabwéen maintenant de donner les garanties de droits de l'homme? Oui, bien évidemment. Du respect des droits de l'homme, je veux dire. Ces garanties-là, à mon avis, sont relatives parce qu'on voit beaucoup de pays qui sont cités en exemple de préservation ou en tout cas de protection des droits de l'homme qui sont, ces dernières années, ont reculé sur la plupart des classements internationaux sur les droits de l'homme. Et puis, il ne faut pas oublier le paramètre qui importe, à mon avis, à Ramaphosa, c'est le fait que, justement, le Zimbabwe est limitrophe. L'Afrique du Sud et que ces sanctions-là
qui pèse in fine sur le Zimbabwe ont un impact sur les économies de tous les autres pays aux alentours, non seulement parce que la population est demandeuse, mais un certain nombre de pays comme l'Afrique du Sud auront des difficultés à importer parce que, vous savez, ces pays de l'Afrique australe ont une économie de plus en plus développée, donc qui commence par exporter, et le Zimbabwe est un client important d'un pays comme l'Afrique du Sud. Autre paramètre, c'est que même si on a vu ces violentes repressions, il faut dire que Mwangamona, ou le régime même de Mugabe, bénéficiait d'une certaine popularité quand même au sein de cette population. Et à mon avis, dans tous les paramètres qui ont permis de jauger si un président était légitime ou pas, si il respectait les droits de l'homme, c'était aussi la popularité qu'il avait au sein de la population. On ne peut pas dire aujourd'hui, on a vu tous ces scènes de liesse à la prise de pouvoir par Mwangamana au Zimbabwe. On ne peut pas dire qu'il n'est pas populaire. C'est vrai qu'il y a des choses perfectibles dans sa gouvernance, mais j'estime globalement que c'est quelqu'un qui déjà a montré des signaux forts qu'il voulait une autre ère pour le Zimbabwe. Est-ce que la levée des sanctions qui pèse sur le pays va quand même permettre à ce pays-là de redorer un peu l'image de son économie qui est assez désastreuse, catastrophique aujourd'hui, hein, une économie exsangue. Oui, naturellement, si à l'interne même, on sent qu'il y a d'abord des défections ou du moins une gestion qui n'est pas tout à fait saine, cela est aussi tributaire à cette sanction-là. Mais lever ces sanctions-là donnera vraiment un sou parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque ces sanctions pèsent sur ce pays-là, il y a des revenus ou du moins certains ajouts qu'il perd carrément. Et au vu de cela ne lui permet pas de lancer un élan, de pouvoir lancer son économie en bonne et due forme. Donc je pense que lever ces sanctions-là lui permettra un temps soit peu de souffler d'un côté, mais également de relancer son économie. Et comme nous le disons, il constitue aujourd'hui au niveau de de l'Afrique australe, je pense de l'Afrique australe, un handicap. Parce que comme le disons aujourd'hui, les répercussions et les conséquences liées donc à cette économie-là, liées donc de contaminer ou du moins de ne pas permettre aux autres pays qui sont limitrophes à ce pays-là de pouvoir véritablement lancer leur économie liée notamment à l'importation et aux échanges commerciaux qui existent dans ces pays-là. Donc c'est tout à fait normal. Alors quand on parle quand même, Marc, à bouffant des sanctions, on pense aux sanctions de l'Union européenne, des États-Unis, mais n'oublie pas que le Zimbabwe a de très fortes et très bonnes relations avec la Chine. Ça déjà, ça suffit, on peut le dire. Non, pas forcément. Nous sommes dans un village global. C'est vrai que des relations consolidées avec la Chine sont une bonne chose. On a vu beaucoup de pays africains ces dernières années courir derrière la Chine pour des partenariats, mais toujours est-il que pour un aussi grand pays que le Zimbabwe, avec une économie à terre, le soutien et des États-Unis et de l'Europe, d'autant plus que il ne faut pas oublier le lien très sain qu'il y a entre le Zimbabwe et qu'il y a quand même une forte population blanche. Oui. Et l'Europe, l'Occident, globalement. Et donc, ces sanctions ne peuvent pas être négligeables, ces sanctions ont poids. Mais à mon avis, ce qu'il faut faire aussi, c'est de renforcer les institutions, des institutions comme la Banque centrale du Zimbabwe, parce qu'on a vu à l'ère Mugabe, cette Banque centrale pouvait frapper de la monnaie sans aucun contrôle. Il faut aujourd'hui, et c'est à mon avis, au-delà des droits de l'homme, ce genre de garantie qu'on doit demander à Mnangagwa, c'est justement de donner des garanties, ou en tout cas de contribuer à ce que les institutions soient des institutions fortes, soient des institutions ancrées qui permettent de gérer efficacement une monnaie. Et au-delà, on pourra toujours recourir à la Chine, mais comme je le soulignais, dans un village planétaire aujourd'hui, les partenariats bilatéraux ne suffisent pas. Il faut des partenariats multilatéraux. On va passer rapidement au Nigeria. L'ancien président Olusegun Obasanjo a accusé dimanche le chef de l'État Muhammadu Buhari, candidat à un deuxième mandat, de préparer des fraudes massives pour remporter les élections générales du 16 février. Obasanjo, qui avait soutenu l'actuel président lors de son élection en 2015, n'a cessé en ces derniers mois de critiquer son bilan, cette fois apporter son soutien au principal
principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar. Personnellement, je cite Obasanjo, j'ai des doutes sérieux quant à l'intégrité et l'impartialité à la compétence actuelle de l'INEC, la Commission électorale nationale, pour organiser des élections justes, libres et crédibles. Dans le Nigeria actuel, Adama Djanou, que beaucoup définissent comme un pays de droit, de l'homme, un pays de démocratie, habitué à des élections transparentes. Mais voilà des accusations entre anciens présidents. Vous savez, c'est un peu trop dit. C'est vrai que les dernières élections que le Nigeria a eu à organiser nous ont montré autre facette du Nigeria qu'on n'en avait pas l'habitude par le passé. Mais aujourd'hui, vous savez, lorsque on voit un Olusegun Obasanjo sortir, dont des saillants de critiques envers le président Buhari s'inquiétant. Parce que vous savez, Olusegun Obasanjo est un président qui est beaucoup écouté au Nigeria compte tenu de sa gouvernance. Si aujourd'hui même le camp Buhari essaie un peu de pouvoir tirer à la baisse cette gouvernance, je pense que Olusegun Obasanjo a eu à marquer son temps au Nigeria compte tenu du fait que c'est lui qui a redressé entièrement l'économie à un moment donné, surtout au niveau des banques où on avait une multitude de banques. C'est par Olusegun Obasanjo qui a essayé un peu de pouvoir rassembler ces banques-là en des groupes. Et aujourd'hui, vous savez, les cinq premières banques au niveau du Nigeria comptent parmi les 1000 globales. Donc ça voudrait dire que c'est un pays qui est, c'est un président qui est très écouté. Et lorsque aujourd'hui, je pense que ce genre de diatribe que prend aujourd'hui Buhari envers Olusegun Obasanjo de l'arrangement en tant que tel, je pense qu'au lieu, il faudrait quand même tirer meilleur profit de cette sortie-là, voir ce qui n'aille pas. Mais aujourd'hui aussi, je pense que dire la chose telle que je le dis aujourd'hui serait aujourd'hui de prendre une position un peu, disons, biaisée. Parce que, vous savez, lorsque il y a eu des critiques, pas seulement aujourd'hui, seulement Olusegun Obasanjo sort, ce qui est dit un peu plus bas, parce que la plupart de la nomenclature ou bien de l'environnement politique au Nigeria essaie aujourd'hui de ne pas voir d'un bon œil le fait que Buhari veuille pouvoir se présenter à ces élections-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sont des trucs qu'il faut revoir assez intensement et ne devait pas aussi rentrer dans ces critiques-là au lieu de chercher toujours des alliés, parce que lorsque vous êtes dans une population où vous êtes tellement critiqué pour pas cette position majoritaire qui s'en sort un peu la queue basse. Marc, est-ce que c'est forcément ce genre d'accusation qu'on attend du géant nigérian? Moi, j'ai une perception mitigée de cette accusation du président Obasanjo par rapport à Buhari. La première, c'est par rapport à la gouvernance même du président Buhari. Vous savez, le Nigeria est un des géants, le plus grand pays même en termes de PIB au sein de la CEDEAO, donc dans la sous-région ouest africaine, un des géants africains aujourd'hui en termes de développement. Mais il y a un véritable problème qui mine le Nigeria. Et pour ça, Obasanjo ne pourrait pas être blanc non plus, c'est la corruption. Le principal problème du Nigeria aujourd'hui, c'est la corruption qui freine véritablement les potentialités de développement de ce géant. Maintenant, au-delà, on a vu ces dernières années que le Nigeria a été confronté à beaucoup de crises, notamment la crise dans le secteur pétrolier. Mais Buhari, avec toutes les promesses qu'il a fait, tout l'oral, tout ce qu'on attendait de lui, finalement n'a pas répondu. On a vu cet épisode-là, plus de 3 à 6 mois de convalescence, d'hospitalisation, donc d'absence du pays. On a vu aussi que sa lutte contre la corruption a été timide. Et sa gouvernance n'a pas vraiment changé grand-chose dans le quotidien des Nigériens. Et aujourd'hui, et ça c'est le propre de tous les dirigeants africains, c'est rare de voir un président africain qui organise des élections pour perdre, surtout s'il y est candidat. Et donc, je me dis que dans ce contexte-là, Buhari peut, il est difficile pour Buhari de prétendre raisonnablement, valablement un second mandat sans magouiller, sans faire des choses tout autour. Mais je ne trouve pas pertinente non plus la critique de Obasanjo, qui est depuis ces dernières années, même si, comme le soulignait tout à l'heure Adam, il a un certain aura au sein du Nigeria, il reste écouté, surtout parce que vous savez que le Nigeria, c'est et les chrétiens et les musulmans, et Obasanjo a réussi à faire un pont entre les deux parties de la population. On a vu qu'il s'est prononcé sur beaucoup de situations, mais que son avis n'était pas
forcément la meilleure, vous n'étiez pas un avis bienvenu. Et moi, j'estime même que sur des situations, il y a eu des avis d'une certaine sénilité. Et on se rappelle de quand il s'est prononcé sur la crise togolaise, on se rappelle encore de ce qu'il a dit quand Buhari était malade. Et aujourd'hui encore, cette critique de fraude électorale, sans avancer pour autant des preuves, je pense que c'est quelqu'un qui veut réexister dans le paysage médiatique, dans le paysage politique nigérien, qui veut peser. Et c'est ça qui... C'est ce genre de sortie, à mon avis, n'a pour objectif que de cultiver ce soi-disant aura là qui aurait sur la population nigérienne. Sinon, moi, je ne trouve pas du tout pertinente, parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas encore vu des preuves, des débuts de preuves de ce que préparerait un certain Buhari. On va marquer maintenant la pause et on revient après le journal continué.